Voilà une nouvelle qui va bouleverser les intrigues de la série Plus belle la vie, France 3. Comme le révèlent nos confrères du site Téléstar, une habitante du Mistral va bientôt tomber enceinte. Chez les Cambridge, ce n'est pas White Christmas, comme le chanta Bing Crosby, mais plutôt Blue Christmas, cette année. Dans une nouvelle, et rarissime. Photo officielle diffusée lundi 18 décembre 2017, par leur secrétariat au palais de Kensington à l'occasion des fêtes de fin d'année, le prince William, la duchesse Catherine et leurs enfants, le prince George et la princesse Charlotte, sont à l'unisson en bleu pour présenter leurs vœux. Alors qu'ils se préparent à célébrer Noël en famille à Sandringham, où leur future belle-sœur Meghan Markle a été exceptionnellement conviée par la reine, et où ils feront leur retour après avoir fêté l'édition 2016, dans le Berkshire avec les Middleton. William, Kate et leurs enfants ont pris la pause, assortis, devant un fond neutre au palais de Kensington pour le photographe Tree Jackson, photographe royal de l'année. Quand ? C'est un mystère. L'image, incluse à la carte de vœux du duc et de la duchesse de Cambridge, a été réalisée plus tôt cette année, se borne à préciser le service de communication. Si bien qu'il est impossible de déterminer si les Cambridge sont 4 ou 5 sur la photo, enceinte de son troisième enfant, Cathy apparaît en effet avec le ventre totalement plat dans son ensemble bien ceinturé. La photo de la carte de vœux du prince Charles et de la duchesse Camilla, dévoilée le même jour, a bien été prise dès le mois de juillet. Sur la photo des Cambridge, le prince George, qui tient l'une des mains de son père, s'affiche pour sa part dans une tenue qu'on lui connaît bien lors de ses apparitions publiques occasionnelles, à savoir une chemise, un bermuda et des souliers dont remontent ses chaussettes tirées. Quant à la princesse Charlotte, elle se montre pleine d'aplomb, regard droit vers l'appareil du photographe et main à plat devant sa robe à fleurs, celle qu'elle portait le 19 juillet dernier lors de la tournée officielle en Pologne et en Allemagne. On se souvient qu'elle avait déjà fait sensation devant la grande Annie Leibovitz pour les photos du 90e anniversaire de la reine Elisabeth II, à accent circonflexe, G, peu accent aigu, E de 2 ans, la princesse Charlotte fera son entrée à la crèche au mois de janvier 2018, a révélé Kensington Palace presque simultanément. Alors que son grand frère est scolarisé à l'école Thomas Battersea, la demoiselle ira à la Wycock Nursery Hall voisine du Royal Albert Hall, à proximité immédiate du domicile familial. Une crèche traditionnelle à plus de 16 000 euros, l'année où excellence et bonnes manières sont les maîtres mots.